إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Donc, avant de commencer euh, le cours sur euh, Kitab Al tawhid j'aimerais revenir sur un point important, à savoir euh, une erreur que j'ai commise dans euh, la conférence intitulée Le Tekfir, entre euh, tentation et ambiguïté. Donc, dans cette conférence qui avait pour but de citer les ambiguïtés de ceux qui, à tort, euh, excommunient euh, les musulmans sans se baser sur les preuves authentiques, sans se baser sur la compréhension euh, saine du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi, ala alayhi wa sallam. Dans cette conférence, j'avais énuméré un certain nombre d'ambiguïtés et j'avais répondu à chacune d'entre elles selon ce qu'Allah Azawajal m'avait permis à l'époque. Euh, durant cette conférence, j'ai fait une erreur sur le sujet de euh, l'insulte, le fait d'insulter Allah ou d'insulter son prophète alayhi wa sallam, ou d'insulter la religion. Que celui qui insulte Allah sans le penser, et qui vient s'excuser, que ses excuses sont acceptées. Parmi également ce que j'ai dit, et que celui qui dit des paroles comme celle-ci, c'est-à-dire qui insulte Allah ou son prophète ou la religion, euh, en ne les pensant pas, que ses excuses sont euh, acceptées. Et parmi les paroles également que j'ai dites, une personne qui a dit de telles paroles sans les penser, sort-il de l'islam ou non Donc une personne qui dit de telles paroles, à savoir qui insulte Allah, à son prophète ou son envoyé, sans les penser, sort-il de l'islam Et j'ai répondu non, il ne sort pas de l'islam car il ne les pensait pas. Donc le fait de dire de telles paroles concernant le sujet extrêmement grave qui est le sujet de l'insulte, d'insulter Allah, d'insulter son prophète ou d'insulter la religion qui est une chose extrêmement grave qui fait partie des annulatifs de l'islam, qui fait partie des de nawaqid al-islam et ceci à, à l'unanimité des savants. Et celui qui insulte Allah Azzawajal, qu'il soit sérieux ou qu'il le fasse en plaisantant, eh bien dans tous les cas il sort de l'islam. Et euh, il y a un détail, il y a des, des, des précisions à donner. Et Inch'Allah, je vais vous citer euh, une des réponses que j'ai trouvées les plus explicites et les plus détaillées dans, dans ce sujet euh, parmi nos savants contemporains qui n'est autre que Cheikh Ibn Uthaymin, qui a été questionné à ce sujet et qui a répondu de façon Très précise, et euh, ces paroles de Sheikh Al-Uthaymin, c'est ma position actuelle. Donc ce que j'ai pu dire euh, concernant ce sujet dans cette conférence, eh bien je reviens sur ces paroles et je demande à Allah Azza de me pardonner. Comme l'a dit le Prophète, tous les fils d'Adam font des erreurs et le meilleur de celui qui fait des erreurs et ce sont ceux qui se, qui se repentent et, et reviennent sur leurs erreurs. Il ne sert à rien de persister dans, dans l'erreur et dans le faux. Au contraire, le musulman se doit de suivre la vérité. Lorsqu'il s'est trompé, eh bien, il se doit de, euh, de revenir dès que possible sur son erreur. Et Allah est témoin que je voulais faire cet éclaircissement sur cette erreur avant mon voyage il y a quelques jours euh, en Arabie, mais Allah a décidé que la veille du départ, que je, ne, que je sois euh, brièvement hospitalisé. Donc euh, l'occasion m'est donnée maintenant, je la saisis sans hésiter, euh, suite à, euh, à l'alerte que m'ont fait certains frères, qu'Allah les récompense. Qui m'ont fait part de, euh, de cette erreur. Je les ai donc remerciés et je leur avais dit que j'allais, euh, dès que possible, le plus vite possible, euh, faire une, euh, un éclaircissement et bien sûr retirer ces paroles de cette conférence. Taïb, euh, la question de, qui a été posée à Sheikh Al-Uthaymin, et ceci, c'était lors de l'émission Nour al Darb. Une émission radio qui est euh, toujours euh, existante à notre époque où de nombreux savants sont invités et auxquels, euh, et, et auxquels sont soumis les questions des auditeurs. La question. <musique> <musique> Donc la question est, lorsque un musulman profère une insulte à l'égard de la religion, mais qu'il ne le fait pas de façon volontaire, mais lorsque sa langue a fourché. Il n'a pas insulté la religion de façon volontaire, mais sa langue a fourché. Est-ce que la personne sera... Ses paroles seront prises en compte ou est-ce qu'elle entre dans la parole d'Allah? Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit, c'est-à-dire qu'Allah vous prend euh, et prend en compte ses paroles. Et si... إنه لا يدخل في هذا المقطع، ما هي إذن رحمه الله: من سب دين الإسلام فهو كافر سواء كان جاداً أو مازحاً حتى وإن كان يزعم أنه مؤمن فليس بمؤمن وكيف يكون مؤمناً بالله عز وجل وبكتابه وبدينه وبرسوله وهو يسب الدين؟ كيف يكون مؤمناً؟ وهو يسب دينا قال الله فيه ورضيت لكم الاسلام دينا وقال الله تعالى فيه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله فيه ان الدين عند الله الاسلام كيف يكون مؤمنا من سب هذا الدين ولو كان مازحا اذا كان قد قصد الكلام فان من سب دين الاسلام جادا ومازحا فانه Donc il dit, rahimahullah, que celui qui insulte la religion musulmane est un mécréant, qu'il insulte de façon sérieuse ou en plaisantant, même s'il prétend qu'il est croyant. Même s'il prétend être croyant, il n'est pas croyant. Comment peut-il être croyant en Allah, en ses livres, en sa religion, en son prophète, alors qu'il insulte la religion Comment peut-il peut être croyant alors qu'il insulte une religion sur laquelle Allah Azawajal a dit, et j'agrée pour vous l'islam comme religion Une religion sur laquelle Allah Azawajal a dit, et celui qui euh, prend comme religion autre que l'islam, rien ne sera accepté de lui. Une religion dans laquelle Allah Azawajal dit, la religion chez Allah, c'est l'islam. Comment peut-il être croyant, celui qui insulte cette religion, même s'il plaisante, lorsqu'il lorsqu veut dire cette parole lorsqu Il a qasada al-kalam, lorsqu'il veut dire ces paroles. Et le Sheikh, rahimahullah, va expliquer dans les détails par la suite. Celui qui insulte la religion musulmane, qu'il soit sérieux ou en plaisantant, est un mécréant qui sort de la religion musulmane. اللَّهُ سبحانه وتعالى. ثم يقول رحمه الله: وسب الدين مازحا اشد من سبه جادا واعظم ذلك. لان ذا لان من سب شيئا جادا وكان هذا السب واقعا على هذا الشيء فانه لا يكون عند الناس مثل الذي سبه مازحا مستهزئا وان كان فيه هذا الشيء. والدين الاسلامي والحمد لله دين كامل كما قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم وهو اعظم منه من الله بها على عباده كما قال تعالى واتممت عليكم نعمتي فاذا سبه احد ولو مازحا فانه يكفر فعليه ان يتوب الى الله ويقلع عما صنع

et que cette chose est présente dans ce qu'il insulte, eh bien, la réaction ne sera pas la même chez les gens lorsque l'on les insulte en plaisantant et en dénigrant, même si cette chose est présente chez eux. Et cela est connu. Quelqu'un qui t'insulte en étant sérieux et quelqu'un qui t'insulte en plaisantant, et en voulant te dénigrer, eh bien le deuxième est beaucoup plus grave. Puis il dit rahimahullah, Et la religion musulmane, walillah il est une religion complète. Allah Azza dit Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Et l'islam est le plus grand bienfait à travers lequel Allah, à travers lequel Allah comble ses serviteurs. Comme il le dit à Azzawajal, et je vous ai comblé de mon bienfait, c'est-à-dire à travers cette religion. Celui donc qui insulte la religion, même en plaisantant, m'écroit, et il se doit de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'arrêter ce qu'il a fait et d'immensifier la religion d'Allah azawajel que la religion d'Allah azawajel est une immense place dans son cœur, afin de se soumettre à Allah azawajel à travers les actes que cette religion nous encourage et nous enjoint à faire. amma shay'un ala bi'an kana an بدون قصد بل سبقا على اللسان فهذا لا يكفر، لأنه ما قصد السب بخلاف الذي يقصده وهو يمزح، فإن هنا قصدا وقع في قلبه فصار له حكم الجاد، أما هذا الذي ما قصد ولكن سبق على اللسان فإن هذا لا يضر، ولهذا ثبت في الصحيح في قصة الرجل: الذي كان في فلاه فاضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه فلم يجدها ثم نام تحت شجره ينتظر الموت فاذا بناقته على راسه فاخذ بزمامها وقال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح فلم يؤاخذ لان هذا القول الذي صدر منه غير مقصود غير مقصود له بل سبق على لسانه فأخطأ من شدة الفرح فمثل هذا لا يضر الإنسان لا يضر الإنسان لأنه ما قصده لأنه ما قصده في الدي رحمه الله كنت Au fait que la langue fourche, lorsque la langue fourche, C'est-à-dire lorsque la personne euh, dit une parole, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire sa langue, il a, il a précédé sa langue ou sa langue a fourché, comme on le dit en français. Lorsque la langue fourche, et le chir donne un exemple concret, lorsqu'il veut complimenter la religion, mais il dit une parole d'insulte. Donc lui, il veut complimenter la religion, mais sa langue fourche et, au lieu de complimenter et de faire des éloges de l'islam, il, il insulte. Sans le penser, sans le vouloir, sans le vouloir, mais parce que sa langue a fourché, celui-ci ne m'écroit pas, car il n'a pas voulu l'insulte. Contrairement à celui qui veut l'insulte en plaisantant. Con, con, contrairement à celui qui recherche l'insulte en plaisantant. Le fait de, de rechercher l'insulte en plaisantant, il y a ici une volonté qui est présente dans le cœur. Celui qui, qui insulte la religion en plaisantant, il y a une volonté qui est présente dans le cœur. Il a alors le même jugement que celui qui insulte. En étant sérieux. Quant à celui qui ne voulait pas dire ses paroles, mais, sa, mais dont la langue a fourché, celui-ci, ses paroles ne lui causent pas de mal. Et c'est pour cela qu'il est rapporté dans le Hadith authentique, dans l'histoire de cet homme qui était dans un désert et qui a perdu sa monture, dans laquelle il y avait sa nourriture et sa boisson, et il l'a il cherché sans la retrouver. Puis il s'est endormi sous un arbre en attendant que la mort vienne à lui. Et c'est alors que sa chamelle était présente au niveau de sa tête. Il a alors saisi sa monture par les rênes et a dit, Ô oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé à cause de l'immense joie qu'il avait euh, de retrouver sa monture. il n'est pas pris, ses paroles ne sont pas prises en compte, car ses paroles ne sont pas voulues, mais c'est sa langue qui a fourché, il s'est trompé à cause de l'immense joie qu'il avait envoyée, qu'il avait envahie. Donc ceci ne porte pas préjudice. À la personne. Ceci ne porte pas préjudice à la personne، car il ne voulait pas dire ces paroles. Puis il dit, رحمه الله. فيجب أن نعرف الفرق بين القصد وعدمه. يجب أن نعرف الفرق بين قصد الكلام وعدم قصد الكلام. ليس بين القصد السب وعدم قصده. لأن هنا ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يقصد الكلام والسب. وهذا فعل الجاد كما يصنع اعداء الاسلام بسب الاسلام الثاني ان يقصد الكلام دون السب بمعنى يقصد ما يدل على السب لكنه مازحا غير جاد فهذا حكمه كالاول يكون كافرا لانه استهزاء وسخريه في رحمه الله Nous devons connaître la différence entre le fait de vouloir une parole, vouloir dire une parole et ne pas vouloir la dire. Nous devons connaître la différence entre vouloir une parole et ne pas la vouloir. Il dit, rahimahullah, car il y a trois niveaux, ou il y a trois cas. Le premier cas, le fait de vouloir la parole et l'insulte. Le fait de vouloir la parole et l'insulte. Et ceci est ce que font ceux qui insultent la religion en étant sérieux, comme le font les ennemis de l'islam lorsqu'ils insultent l'islam. Ils le font de façon voulue et de façon sérieuse. Ils ne plaisantent pas quand, quand ils insultent l'islam. Le deuxième cas, il veut les paroles, mais ne veut pas insulter. C'est-à-dire, «». C'est-à-dire que les paroles qu'il dit, il recherche ce qui a la signification d'insulter, mais en plaisantant. « ala c'est-à-dire qu'il veut, donc les paroles qu'il qu a dites, il les a dites réellement, donc il a voulu les dire, mais en plaisantant. Il a voulu les dire, mais en plaisantant. Il dit, Celui-ci, son jugement est comme le premier. Il est mécréant. كاخ سوسي اد المرتبه الثالثه ان لا يقصد الكلام ولا السب وانما يسبق لسانه فيتكلم بما يدل على السب دون قصد اطلاقا لا قصد الكلام ولا قصد السب فهذا هو الذي لا يؤاخذ به وعليه يتنزل قوله وعليه يتنزل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم فانه هو قول الرجل في عرض حديثه لا والله وبلى والله يعني ما قصد فهذا لا يعتبر له حكم اليمين المنعقد فكل شيء يجري على لسان الانسان بدون قصد فانه لا يعتبر له حكم وقد يقال ان الانسان قد قال في حديثه لا والله وبلى والله انه قصد اللفظ لكن ما قصد عقد اليمين فاذا كان هذا فانه يفرق بين حكم اليمين وبين الكفر فالكفر ولو كان ولو كان غير قاصد للسب يكفر ما ذام قصد الكلام واللفظ Le troisième point, le troisième cas. Donc on a dit le premier cas, celui qui veut, qui a voulu dire les paroles et qui a voulu insulter. Le, donc celui-ci sort de l'islam. Le deuxième cas, celui qui a voulu dire les paroles, mais des paroles qui ont le sens de l'insulte, mais il a dit cela pour plaisanter. Il a dit cela pour qu'il n'était pas sérieux. Celui-ci, son jugement est le même que le, que le premier. Le troisième cas, celui qui ne voulait ni dire les paroles et qui n'a pas voulu également insulter. Donc, ni l'un, ni, ni l'autre. Celui-ci, celui-ci, c'est cette personne-là dont les paroles ne sont pas prises en compte. Dont les paroles. Ne sont pas prises en compte, et c'est lui dont euh, la parole dont, euh, fait référence la parole d'Allah Azza Wifi Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit, c'est-à-dire qu'Allah vous prend en compte. Et Ashir al dit, en donnant un exemple de, des paroles qui entrent dans ce verset, comme une personne qui, dans, le, dans, dans ses paroles, dans sa phrase, dans, 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 dans les paroles qu'il dit, il dit « la wallahi wa bala wallahi ». Il dit « non par Allah ». Dans sa parole, il parle, il parle, il dit « non par Allah ». Ou il dit « bien sûr par Allah ». Ici, est-ce que c'est considéré comme un serment ou pas Il n'a pas, pas voulu jurer. Mais quand il parlait, quand il, disait ce qu il, quand il racontait ce qu'il racontait, il dit, pendant son, ses paroles, non par Allah ou bien sûr par Allah. Sans vouloir jurer. Ici, Al-Uthaymin dit Il n'a pas voulu jurer, mais il a dit Oui par Allah ou non par Allah. Mais il n'a pas voulu jurer. Il dit Celui-ci, ses paroles ne sont pas considérées comme un serment qu'il a fait. Ce n'est pas un serment qu'il a fait. Car toute chose que la langue profère et qui n'est pas voulue n'a pas de jugement. Puis, comme dans ses habitudes, pose une problématique en disant, si une personne vient nous dire, mais cette personne a dit la Wallahi, elle a dit bien sûr par Allah. Elle a dit non par Allah. Donc elle a dit la parole. Elle a voulu dire des paroles, mais elle n'a pas eu l'intention de de jurer, d'accord. Or le deuxième cas qu'on a cité c'est quoi C'est celui qui voulait dire les paroles, mais en plaisantant. Et celui-ci on a dit qu'il est qui sort de l'islam. Donc ici, une personne pourrait dire, d'accord, mais si vous dites ça pour les serments, cette personne, elle a -la dit la wallahi. Et le shir dit, fa fa dans ce cas, on sépare entre le jugement du serment et le jugement de la mécréance. Autrement dit, le jugement de celui qui insulte. Allah, son prophète ou sa religion. Lorsque tu dis « la wallahi » dans ta parole sans vouloir jurer, ici, ce n'est pas considéré comme un, comme un serment. Cela concerne, les, cela concerne les serments. Quant au fait d'insulter Allah, d'insulter le prophète ou d'insulter la religion, il dit « fal concernant la mécréance, même s'il n'a pas voulu insulter, c'est-à-dire à partir du moment où il a voulu dire les paroles, ce n'est pas la langue qui a fourché. Ta langue, elle n'a pas fourché. Ce que tu as dit, tu l'as dit en connaissance de cause. Ces paroles-là que tu as voulu dire et tu les as dites. Ce n'est pas ta langue qui a fourché. Lorsque tu dis des, des, des paroles où tu insultes Allah, son prophète ou sa religion, même si tu n'avais pas l'intention d'insulter, alors la personne mécroît à partir du moment où les paroles sont voulues, où les paroles ont été dites de, euh, de plein gré et en tout état de cause. Donc ceci est le tafsil dans, euh, dans cette messala, qui est une, un sujet extrêmement grave, extrêmement... Euh, dangereux euh, auxquels, le musulman, auxquels le, les musulmans et les musulmanes doivent faire extrêmement attention notamment dans certains pays où des formules euh, où il y a l'insulte de la religion mais ça parti, ça fait partie du langage entre guillemets de, de ce pays et les personnes les disent sans sans vouloir le sens elles disent ces paroles sans vouloir le sens mais elles les disent, parce que ça fait partie des, entre guillemets, des, des expressions. Les savants disent, même dans ce cas, même dans ce cas, la personne croit. Car on ne plaisante pas avec la religion. Aux gens de purifier leur langage, aux gens de se, confirme, de se conformer aux ordres d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir du moment où les paroles sont dites et elles ont été voulues. Même si le sens n'est pas voulu, concernant Al-Kouf, concernant euh, l'insulte d'Allah, de son prophète et de sa religion, eh bien cela n'est pas une excuse. Allah azza wa dit, <peu> la <foi> les savants ont dit que ces personnes avaient la foi. <peu> la foi. Ils avaient la foi et ils ont mécru à cause de ces paroles qu'ils ont dites, notamment à l'encontre du prophète Sallallahu et de ses compagnons. Nous n'avons jamais vu de gens avec des ventres aussi gros euh, et, des, et aussi lâches euh, lors, lors du combat. Et euh, lorsque, et ça, ça on l'a vu dans, dans l'explication de Kitab Tawhid, lorsque ses compagnons, leur dire, a entendu ces personnes dire ces paroles, il a dit, je vais en informer le prophète Sallallahu Il est parti, et qu'est-ce qu'il a constaté que la révélation l'avait précédé et qu'Allah avait déjà révélé à son professeur assalamu ce que ces personnes avaient dit et lorsque ces personnes sont parties voir le professeur à on dit envoyé oh, d'Allah nous ne voulions pas dire cela mais c'était des paroles que l'on disait afin de faire passer le chemin afin que le, le voyage euh, passe vite d'accord euh, car lorsque tu discutes, euh, et à l'époque, lorsqu'ils voyageaient, ils, 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 ils chantaient des, des, des vers de poésie, ils, ils, ils occupaient leur temps euh, par des paroles, etc., pour que le voyage euh, passe et pour que les difficultés du voyage euh, ne se ressentent pas. Et le professeur sallam ne les regardait pas, ne se tournait pas vers eux et se contentait de dire ne vous excusez pas vous avez bel et bien mécru après votre foi ne vous excusez pas vous avez bel et bien mécru après votre foi donc voilà c'était le sujet donc le fait que j'ai dit dans la conférence une personne qui a dit de telles paroles sans les penser sort-elle de l'islam oui ou non la réponse est oui. Or, moi, j'ai dit non. Car le fait qu'il ait dit ces paroles et que ce n'est pas sa langue qui a fourché, même s'il ne les pense pas, eh bien, il sort de l'islam. Et juste une dernière information concernant ce sujet il y a une autre exception celui qui est contraint, Al-Ikrah. Celui qui est contraint. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان يا شيخ الفوزان رحمه وحفظه الله حفظه الله دون شرحه لكتاب التوحيد non pas le ملخص que l'on fait mais المستفيد euh, وندخل إعانة المستفيد للذي رحمه الله اللي حفظه الله من استهزأ بشيء من هذه الاشياء فما حكمه celui qui plaisante Sur une de ces choses, quel est son jugement Sur une de ces choses, ici, en parlant d'Allah, de son prophète et de la religion. Son jugement est qu'il apostasie, qu'il sort de l'islam, car ceci fait partie des annulatifs de l'islam à l'unanimité des musulmans.

« La parole d'Allah azawajal, C'est le sens « Quiconque renie Allah après avoir mécru, sauf, sauf, celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. Alors que son cœur est apaisé par la foi. Mais il a dit cela par contrainte. » soit parce que l'on le menace de mort, soit tu dis une, par une parole de mécréance, ou soit je te tue, ou je tue ta femme, ou je tue tes enfants. Donc ici, dans le, les situations de, où la personne elle est forcée, de force majeure, de, où la personne elle est, elle est forcée, elle est moukraha, c'est-à-dire tu fais une chose à contre-coeur. Ton cœur est plein de foi, mais on te contraint de dire une parole de, de mécréance. Dans ce cas, euh, et bien cela est une exception et la personne ne sort pas de l'islam même s'il si a voulu dire les paroles sans, sans, sans les penser. Mais il les a dit, il les a dit car on l'a forcé à, à le dire. Donc voilà euh, l'éclaircissement que je voulais faire à ce sujet. Donc euh, c'est indéniable, c'est une erreur de ma part. Euh, je reviens donc dessus, inshallah, et je demande à Allah Azza de me pardonner cette erreur et de nous euh, raffermir, de me raffermir ainsi que vous et tous les musulmans dans euh, l'islam et la sunna et ceci jusqu'au dernier de nos souffles Inch'Allah ta'ala et bien sûr euh, les, le, la partie sera effacée dès ce soir sur la conférence et Inch'Allah ta'ala cet éclaircissement sera mis en ligne dès ce soir également, afin de s'empresser à diffuser le bien. Et j'enjoins toute personne à faire de même et à n'avoir aucune gêne de reconnaître ses torts, de reconnaître ses erreurs. Euh, le musulman ne doit pas avoir de gêne de reconnaître ses erreurs, au contraire, cela est pour lui un moyen à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. Tu fais une erreur, tu reviens. Surtout lorsque tu es un prêcheur, lorsque tu appelles à la religion d'Allah Azzawajal, lorsque les gens t'écoutent, lorsque les gens apprennent leur religion euh, à travers euh, tes enseignements ou tes audios ou tes traductions ou autres, lorsque tu fais une erreur et que euh, un certain nombre de personnes euh, sont susceptibles d'avoir euh, entendu cette erreur et de l'avoir considérée comme étant la vérité, eh bien, il est un devoir.